à se présenter à nous. Vainqueur en 2017, c'est sa 6e participation. C'est les frères Brio, Lucien et Claude Brio. Merci, Christian 99. Une salle pour 200 personnes et les beaux quartiers sont ni moins la Côte-d'Ossier et la vache Gypsy, puisqu'il y a aussi des courses de vaches. On va présenter donc les 8 cavaliers de la manade de Rio, en commençant par Guido, qui monte au pinceau. Voilà Guido. C'est sa première participation, les origines sont jamais les Saint-Pierre, les pâturages à Brouzé-les-Pissac, Carnas, Canet-Clairant. La couleur, c'est le bleu, le jaune, le marron. La marque, c'est un C et un T, il n'y a pas d'exclusion. 150 mètres, des courses différentes et des trophées de rêve. Alors, vous avez la pression, hein, je vais demain, hein. Voilà. C'est la première participation. Alors, présentation pour le premier cavalier, Caroline Souprière. Voilà, donc la manade des Montis, vainqueur en 2018, emmenée par Bruno Quette, qui a créé cette manade en 89, dont les origines sont marocéniennes. Pâturage au pâtis de la Trinité sur 70 hectares. La couleur, c'est le rouge, blanc, jaune. Les escultures, c'est des poils en bas d'oreille, marque et fendue à gauche. Et on va vous présenter cette manade en commençant par le look. Le voici sur Destin de l'Ordre. C'est une manade provençale, on va dire, au Mas de Perme, au domaine de la Pissarotte. Les origines sont de Montant, Renault, Aubanel, Baronsini. La devise, c'est le vert, jaune, bleu, rouge. La marque, c'est un C et un A entre la C. Les escoussures, c'est deux équerres vers le bas. Et il nous présente le co-quartier en dehors. La 17 qui est pris dans les arènes. 20. Thank you.
pour les personnes qui commencent à se costumer. Donc déjà tout les coiffures, habillage, tissage, enfin, tout ce qui est autour du costume. Elles ont été écrites à la fois par Marquis de Morin-Séville, par Rolistra, ça dit quelque chose de jeune quand même. Oui, il y a une merveille commerce. Voilà, et c'est vrai que vous animez toutes les fêtes de la région avec un sentiment extraordinaire et cet après-midi, voilà. Du côté de Francourbeau, Galicien et Beauvoisin, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Chouchou, popcorn. Sur le terrain de Portéal.
C'est carton. Alors le dernier, c'est qui le premier? Le premier, vous avez fait le coup magistral puisque vous avez gagné. Vous avez aucun espoir cette année? Ah oui, bien sûr. Merci à tous les clubs Tourin, Vauvertois qui participent à cette grande journée. Et puis merci bien sûr à la municipalité, à son maire Jean Delat, maire de Vauvert et de conseiller régional, qui bien sûr défend haut et fort les traditions. La malade Albert. Alors nous attendons cette cinquième manade, la manade Albert Chapelle, qui devrait arriver maintenant, il aurait pu tarder. Voilà, attention, ça bouge. Attention, attention, la manade Albert Chapelle qui arrive. Ça va très vite aussi, la manade Albert Chapelle emmenée par Edouard Gros, Maxime Carrara, Thomas André, Quentin Guillot, Joël Zaragoza, Vivian, Gaëtan Capelli et Bernard Gros, la dernière manade concours, la manade Albert Chapelle. La voici, participation en 89 et 2006. La manade Albert Chapelle qui enfermera apparemment ses carreaux. Attention, il y a des attrapailles qui se sont infiltrés dans le, parmi les taureaux. Voilà, apparemment les quatre taureaux de la manade Albert Chapelle, Nico, la reine Amitia, le café de la Muscade, le café la pizza au feu de bois. Nous avons également la brasserie. Voilà, nous remercions les journalistes, notamment le site Bouvine Info qui était parmi nous. Nous remercions le Midi Libre qui fait un fort portage sur cette journée camargaise. La Provence. Merci à vous d'être venus de tous les villages de la région, des parties aussi bien sûr. Et merci aux touristes, hein, parce
ça. Profitez-en pour faire le tour de le marché du terroir qui se trouve juste derrière le podium à l'entrée de l'arène. Jean-Louis, ce marché du terroir vous permettra de découvrir les pays, nous, qui est venu également, c'est une optique, souvenir pour emmener de votre beau séjour en Camargue. Donc n'hésitez pas pour faire le marché du terroir qui se déroule actuellement. Voilà, nous allons rejoindre les arènes. Qui seront les taureaux de ce 11e trophée Camargue médical. Merci aux musiciens. Au 15e siècle, je m'appelais Postière, le premier nom de votre bonne ville de Beauvais. Responsabilité. La 5e. La malade des Montquilles. 430 points.
Et la remise sera faite par Sébastien Martini, membre de la commission taurine, Laure et Angan. La quatrième, la manade de Brio. Attendez, on va d'abord remettre le prix à la manade des Montilles. Voilà. La manade des Montilles qui reçoit sa récompense. Vainqueur l'an dernier. On peut les applaudir très fort, Sébastien Martini. Laure et Angan. Voilà. La quatrième. Brio avec 432 points. La manade Brio, quatrième prix. Prunel, les maîtres vignerons de Vauvert et d'Alarc, et Andrea, Sarah et Salomé qui remettent le prix donc à notre ami Claude Brio, quatrième manade du concours. La manade Albert Chapelle avec 437 points. Un grand bravo à la manade Chapelle, c'est Claude Constant, membre de la commission taurine, accompagné de Valentine, Elisa, Lou et Victor. Troisième, donc, la manade Albert Chapelle, et voici qui reçoit votre prochain. Et maintenant, ça va se jouer entre les deux dernières manades. Qui remporte ce trophée? On va le savoir dans très peu de temps. La deuxième manade est la manade Martini avec 443 points. La manade Martini, donc, qui termine seconde pour sa 14e participation, 4 victoires déjà chez Martini. Et c'est Bruno Pascal, adjoint aux festivités, accompagné de Laure, Christine et Jules, qui vont remettre le trophée aux jeunes figurants, je crois. Voilà. Et on peut les applaudir à la manade Martini. La manade vainqueur de ce trophée d'Abrivade est la manade Loz avec 464 points. Et on applaudit de force cette jeune manade créée en 66, avec vous. Créée en 66, pardon, 2016. C'est Thibaut Casalis et son équipe qui remporte ce superbe trophée, la manade de la Loz. C'est Nicole Lafisca, la présidente du jury, qui va remettre ce trophée. Et Jean Denat, le maire et conseiller régional de Vauvert, qui va remettre ce trophée donc à la manade de la Loz. Thibaut Casalis, c'est le deuxième souvenir du Romanet qui revient.